c'est Clovis Etchandas, guide patrimoine et guide conférencier à l'Office du tourisme de l'Ouest. Aussi loin que m'y souviens, quand même, moi, j'ai été baigné dans le tourisme, je dirais. Hein. Ça m'a fait des formations pour être guide. Ma formation de guide l'amène à moi en Haute-Savoie, la Mecque de la randonnée, comme il dit. Je me retrouve à moi dans les chasseurs alpins, avec ma qualification là. Là, après, ma galère, et puis avec mon bon grand ski, qui arrive à moi au-dessus de la tête, mais bon. Seul CAF là-bas dans le chasseur alpin, donc en Haute-Savoie. Revenant dans le pays, ben, c'est le début du tourisme. Et puis, bon, des années comme ça, en tant qu'accompagnateur en montagne, avec mon petit madame de ma FAT, nous la gère un gîte, gîte du pavillon, 4 ans après. Donc, presque 6 ans, moi, la reste dans le siècle de Sillaos. Et après, ben, retour aux sources. Moi, Marmaï de Saint-Leu, depuis 2014, l'Office du tourisme de l'Ouest, qui employé à moi en tant que guide patrimoine, en fait. Mais dans ce guide patrimoine-là, il y en a et la partie montagne et la partie urbaine. Et quand on parle au créole de son histoire véritable, ben, il y accroche. Donc, sur les produits Arlor, donc, on va mettre un gros paquet de, mais dirais, de culture autour, avec une vraie histoire de la Réunion. Hein. C'est pas que midi il est fini, tu peux faner, ça sent la banane. Le tourisme extérieur, il vient, il greffe aller dessus, mais la base, c'est local. Donc, voilà. Donc, cette double mission, c'est fait passer le message que nous menace du patrimoine en danger, qu'il faut nous sauvegarder. Alors, moi, je pense, moi, maman et moi, les joyeux, ils aiment la vie. Ils aiment que. Comme il trappe de monde, il ressent ça aussi. Quand nous, ça va avec, voilà, nous on a un bon petit moment pour partager, nous mettre un peu de sentiment, nous mettre notre cœur dans une visite. Si nous intéresse le local, de toute façon, lui, tout de suite, il va comprendre. Hein. Il y a un recensement de notre patrimoine, mais maintenant, il faut passer l'étape suivante, la restauration de ce patrimoine. Sinon, on va avoir des noms comme c'est là, 4 robinets et tout ça, ou 46, des quartiers de Saint-Leu, où on ne sait plus pourquoi. Donc, j'aimerais bien que tout le monde mette la main ensemble pour sauvegarder en fait, ce patrimoine-là. Parce que comme Midiaou, parler du tourisme sans parler de notre patrimoine sauvegardé, de restaurer, nous va faire rien qu'aller de manière virtuelle. Moi, je vais encore faire aller de manière présentielle encore, moi, tant que je vive.